Et bonjour les gens. On va commenter ce magnifique match de Kojiko versus Noctis. Bah, donne-moi le son, normalement on m'entend. On entend dire n'importe quoi, donc tu vois là, ça c'est incroyable, tu vois, ça y est, c'est parti. Alors, ils vont faire... S'ils ont déjà fait leur chiffre pour choisir le stage... Ils ont déjà fait le Shifumi, voilà, j'ai le hochement dans la tête du père Kojiko pour me dire oui, nous avons sélectionné le stage. Ah. Yo a banni les stages qu'il voulait et ou laisse un stage pourri ou un stage bien. Il prend le stage bien, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai contre le Bastion? C'est un stage pourri. Oh, attention, attention, il y a eu comment on dit ? Un roi a été élu ? C'est pas on est passé de Noctis à roi, Noctis ! Sa majesté contre Kojiko. Kojiko, l'engendreur de stratège. Le père du dragon déchu. Le président de MSU. Ah bah si on va dans les titres... Alors nous avons le choix entre la madame aux cheveux rouges ou la madame en jaune. La madame en jaune elle semble voler. Voleuse. On met des gros coups de poing. Elle se rend tout le temps et elle va faire une égalité de l'autre. Ça comme d'autres, c'est sale, ça ne tue pas. Oh là là, mais il a 0% à 122%. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est passé derrière. Ça fait des chauves-souris. Ça fait des galipettes. Oh, ça a touché. Poulet. Ouais. Pistolet. C'est pas fatal. C'est toute une feinte. Bien joué de la part du roi Noctis. Sous cette dame qui monte sur le terrain pour envoyer un morceau de spectre. Des bouts de ferraille, me dit mon collègue Norma à ma gauche. Et c'est pas bien, ça ne space pas bien et ça se prend du combo. Attendez le frame trap, ça a loupé. Et... à l'atterrissage, ça attend de voir l'option choisie, ça pue. Non, encore une fois, c'est toute une feinte et ça pue à la réception. Ça fait deux fois que nous avons un chaos de cette manière-là. Est-ce que le stratège va en prendre cette donnée en considération et arrivera à s'en sortir à sa prochaine recovery? Nous l'espérons pour lui. En attendant, on dira ce qu'on dira, mais Bayonetta, c'est beaucoup trop fort. Mange mon épée, je t'ai dit. Mange le feu, c'est bon pour la santé. Alors ça va marcher. Mange mon épée. Retour de l'épée. Et oui, cette fois-ci, le roi Noctis est venu chercher son adversaire afin de ne pas lui laisser l'opportunité de contrer le contre qui avait été mis en place précédemment. Bien joué de la part des deux participants qui se sont bien défendus, il faut le dire. Ah, ça allait prendre le Dojo Mishima, meilleur stage du jeu. C'est faux. Et ça repart sur... Mais que vois-je? Un Link? Mais serait-ce le meilleur Link de Montauban? Le vrai? Check pour souhaiter bonne chance. C'est poli, c'est cordial, c'est magnifique, c'est MSU.
Ah, du côté équipe rouge, on a choisi de rester sur les acquis et de commencer sur Bayonetta, bien entendu. Elle avait bien marché au premier match, alors pourquoi pas continuer dans cette lancée. Attention, qu'est-ce que la princesse a à répliquer à ça? Boule de feu. Plage de niveau 8. Donc, qui va aller pas trop loin parce que on revient pas. Ah, force sur le fil, c'est bien joué. Kojikov a réussi à sortir du confort, mais on va réagir. Pas des choix, putain. La France s'est déjà éliminée, nous avons tranquillement sur le terrain. Derrière, ça fait des problèmes. Ah, Blaziken, bien. Cette chose arrivée. Ah, elle enchaîne, elle enchaîne. Ah, c'est dommage. Les reverse. Il n'avait pas été reverse. Peut-être qu'il aurait pu. Je pense qu'il doit être sur l'épée. Attends, attends. Ça revient quand même. Ça revient pas. Bloquer l'optisque qui est vraiment efficace en termes de réception de son adversaire, ça recovery. La punition, voilà la sorcière, elle est enfin sortie du terrain. Un match entier qu'on attendait ça, et voilà qu'arrive une mention de bon coup. Oh, le bug, une idée. Normalement, on fait du up tilt parce que c'est cool. Ah, ouais, c'est un choix, c'est une idée. La balance de boomerang à tout va. Ça tente. Ah, ça tente une arnaque. C'était bien tenté. Ah là, le Nosferatu qui vient aider quelque peu Kojiko finalement à récupérer le pourcentage qu'il avait récupéré. Ah, je vais aller mettre super bien. Voilà. Ça aurait été très fort. Attends, on va récupérer encore le temps de jeu, mais oui! Alors la sortie de la bombe balancée, l'autoroute, c'était très bien joué. Et voilà que le monde prend le terrain. Le ciel, littéralement, le personnage qui vole. C'est aussi un voleur, lui aussi. Il balance de tout, il balance de la foudre, il balance du feu, il balance des clés, il balance des coups, il balance tout et il balance la victoire. Et même ban, ça repart sur le même stage. Squad strike. J'ai vu qu'il fait la remarque que ça se passe mieux lorsqu'il arrive à sortir Bayonetta. En effet, ça se passe mieux une fois que les problèmes sont écartés. Ah, Runio qui veut faire le spectacle, qui nous sort Link en premier pour nous montrer que c'est lui le vrai meilleur Link de Montauban. Malheureusement, le détenteur du titre n'étant pas là ce soir, les absents ont toujours tort. Tant pis pour lui, il pourra pas défendre son titre. On va peut-être gagner le titre de meilleur Link de Montauban ce soir. Avec des flèches dans les plateformes, on va pas loin. Petit moment à répétition, c'est pas mal, ça ouvre et ça laisse la place pour le pied de 10 km de lui. Est-ce que ça va profiter de la bombe? Oui! Belle réception, un beau Zen Drop. Kojiko a les shields longtemps, donc il ne peut pas en profiter. Backer et F-Smash en descendant de la plateforme. J'aurais pu. C'est très mal qu'il aurait pu mettre Fatal à 2%. Le backer. Ah voilà, Kojiko ne peut plus trip. Voilà, c'est la technique secrète. Et la sorcière qui vient se venger
de tout à l'heure. Et... ah oui, oui, tout à l'heure tu m'as sorti. Bah cette fois-ci, on va pas se passer comme ça. Le qui a bien, qui a saisi une belle occasion de récupérer quelques pourcents de dégâts. Il se prend une poitate direct dans son faciès. Saisir les occasions précisément à chaque fois pour punir son adversaire. Mais comme je peux encore réussir à en sortir, appliquant, attend un autre. Et voilà, encore une saisie. Et une punition en doute fatale. Et oui, mais... au revoir à la petite blonde et bonjour à la grande blonde. Ah, l'entrée en matière avec le fantôme et la saisie corps à corps n'a pas été suffisante pour contrer le Beach Time. Le petit psy qui a vu son adversaire faire une air dodge à gauche et qui essayait de le réceptionner, mais non, je dois partir de côté. On a perdu beaucoup de temps à faire ça dans la position militaire. Voilà, il a pris. Ah, c'était bien joué de la part de Kojiko. Il avait profité du fantôme pour pouvoir placer un Witch Time, mais il n'a pas pu concrétiser derrière. Mais c'est pas grave, on envoie le petit Sora sur le terrain, il met deux coups et la victoire est présente. Et du coup, c'est à moi. Allez.